gang de on a mal blessé moi c'est moi qui a le bataille pour nous voir des armes étouillées que Dieu dit bah bah comme ça mon cher bah va mettre la vie policier mieux là en danger vous comprenez bah bah comme ça et ben qui sa proposition Kenya et madame monsieur selon Miami Herald et bien proposition Kenya Reginald Robertson il dit lui-même Sylvine là la pla pour protéger infrastructure gouvernementale yo c'est-à-dire les délégations lui-même li détaille plan là li dit moun k'ap vin avec yo moun l'ap vin avec yo a ou pral jwenn yo nan aéroport nan port maritime yo nan route principale yo. Ça n'a pas étonné, pas plus tard que hier matin, le moine Bono te dit ça. Mm-hmm. Oui, oui, nous oui. Même nous te dit que nous très sceptiques quant à possibilité pour force vin là, pour le dire, pour le battre avec gang grand vin, pour le battre avec gang 5 secondes, pour le battre avec gang grasé barrière. Nous te couvrons tout, même avec ça que dit dans l'article Miami Herald là. Que n'importe force qui vient là, il pral juste faciliter moun circuler sur route nationale qui bloqué yo principal axe routier yo. Par exemple, nous te dit ça, au cas où force la vinn là permettre que moun passer Matissan. Au cas où force la vinn là permettre que moun passer au niveau de Canaran sous Smatla et Latrier, Balatibonite la Croix-Péris. Au cas où sous la vinn là, li force la vinn là pardon, li permettre au moun passer route frère Mahone. Mais gang yo probablement y a toujours rete nan fief yo y a toujours été exam yo ka jwenn une formule souvle pour faire yo faire zam yo faire silence mais en réalité y a toujours existé et n'importe moment yo capable activer yo et ben Kenya d'après Miami Herald Journal dit monsieur dame yo nan pays d'Haïti nous fin font façon gang le pays a pas compter sur moi pour me venir dégangler le pour nous. C'est pas ça n'a vinn fait. Et d'après en pile moun qui critiquait off Kenya, yo croit que choix ça pas aider réduire violence qui gagne dans pays. Et li pas l'autre bagaille qu'on échec total. Gagne on source diplomatique qui parlait avec Miami Herald qui dit en pile dans infrastructure nous sommes cité là yo. En pile nan yo déjà contrôlé par des gangs armés. Elle dit avant même pour ta penser protéger infrastructure ça yo, faut d'abord yo ta reprendre contrôle yo. Équipe évaluation li fait en projection. Côté li présenté moun ki té là yo, ça relé en force de protection. Force de protection stratégique ou statique. Jean-Glé a dit là. Mais gon expert, selon Miami Herald, dans sécurité qui c'est haïtien, qui te dit nèg yo tout carrément, nèg Kenya yo, que ça ou les forces de protection stratégique ou statique là, la non efficace, n'y pas pourtant rien comme résultat. Pour la simple et bonne raison, problème dans Jean Kenya comprendre ni j'ai fait Kenya comprendre ni il est beaucoup plus compliqué que ça et dans l'article ça Miami Herald dit moun qui était présent dans moment où t'a fait présentation dans moment où t'a fait projection souvle t'es gagné des membres du gouvernement haïtien t'es gagné des responsables de la police nationale d'Haïti t'es gagné des diplomates étrangers et t'es gagné le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et article a précisé que présentation ça fait lundi à dans un hôtel qui pas trop loin aéroport international de Port-au-Prince. Ça veut dire information qui fait quoi que nèg de Petroville là, c'est pas vrai. Asi nèg yo décidé dit yo même va aller plus loin. Si bon courir là pour gétan, mettez pion dans porte pour échapper pour lui. Et puis loin dans article là, Miami Herald pral rapporter que nèg yo vinn là yo perd con chat y a veyan bas. Ça fait que tu décides pas aller trop loin
aéroport n'importe bouche pas gou gen là yo tout font flap yo rentre dans aéroport y a le faire route yo guerrier natik ça Miami a rappelé délégation kenyane là li était sous haute protection des États-Unis. Ça veut dire c'est les États-Unis qui t'a protégé dans pays là et yo t'est accompagné de plus passer une douzaine de membres du département d'État américain. Mais ça veut dire nous songe métronome et guerrier nous t'est parlé de près d'une vingtaine de monde qui dans délégation gagne le vrai. Mais délégation kenyane monsieur kenyan yo t'est 10 tout reste moun yo c'est gros autobré dans département d'État américain. Ça veut dire c'est gros blanc gros parle tout derrière nèg devant. C'est ça article là dit. Nèg devant et puis blanc américain derrière dit la passé. Yo expliqué que délégation te gen membre ministre affaires étrangères et responsable police dans pays Kenya et c'est deux sources qui en dedans délégation qui parlait avec Miami Herald qui rappelait délégation arrivé dimanche après-midi sur un vol American Airlines et yo allé mercredi après deux jours de réunion et dans deux jours de réunion ça t'ai une séance de travail avec au commandement police nationale Haïti. En guise de rappel qui ça objectif groupe de travail ça t'ai c'était évaluer besoin opérationnel mission police là qui yo même pral essayer garder qui ça ba laier présenter le bail gouvernement pa yo à conseil de sécurité Nations Unies qui lui même en retour pral approuver ou bien qui yo même en retour pral approuver mais ça veut dire qui ça leur délégation vini ici li parler avec la police dit mais qui ça y a besoin la police nationale d'Haïti mais qui ça besoin yo en moment 1 2 3 4 kounya yo même yo parti avec cahier chez ou bien de lire ça yo pral bay gouvernement la caillou y a bay lito avec conseil sécurité Nations Unies qui yo même pral gagner en retour pour yo approuver si yo pas approuver le tout donc ça y la police qui pral connait mais article a dit parole k'a parler là dans moment d'après plusieurs monde qui parlait avec Miami Herald qui pas décidé pour nous citer parce que pas autorisé pour yo parler c'est que yo envisager pour yo vinn sécuriser infrastructure pas plus que ça et malheureusement c'est pas ça gouvernement haïtien selon Miami Herald c'est pas ça certains ministres dans gouvernement haïtien yo même yo t'ai envisagé là ont accepté en octobre 2022 pour te faire appel à l'aide de la communauté internationale. Ça Kenyan dit lui-même Livin faut bien le faire gouvernement Powell ou bien Patawel de bon oeil. Tout au moins certains ministres selon Miami Herald dans gouvernement t'a dit yo pas comprendre chinois Kenyan parler là. C'est pas ça yo même yo t'ai envisagé, là ont accepté. Mettez signature en bas résolution qui te bail docteur Ariel Henry plein pouvoir ou bien autorisation pour te faire demande là. Bon côté Nations Unies s'ouvre pour aider Livin bataille contre insécurité a ou bien pour aider le venir rétablir la paix à Claude dans pays a Miami Herald la poursuivre pour dit dans article a gagné des sources qui parlait avec journal là qui dit pendant petit échange qui t'a fait dans Port-au-Prince les délégations de vin là pas aucun engagement kenyan yo prend véritablement OK pour yo dire OK yo pral garder qui ça qu'a fait en façon pour qu'a répondre avec urgence moment ça veut dire en bon créole bagaille demande urgente gouvernement haïtien demande qui dit faut urgentement qu'on bagaille qui fait et que Antonio Guterres lui-même t'a accepté kembe pour te dire ah dans situation pays d'Haïti là gien urgence ou bien nécessité pour aller de yo gien nécessité pour une force qui constituer en support à la police nationale d'Haïti pour venir aider bataille contre les gangs armés ou bien les bandes armées Kenya dit lui va dans bail gens va tête chaud va dans bail tête chaud et blanc Kenya qui a parlé il dit va tête chaud qu'a fait donc bail urgence nous en Kevin pour nous il va dans bail urgence bail tête frette qu'a fait là
avait dit si une urgence j'ai juste mon l'autre jour et ça m'a dit avait dit pour qu'il y aller même bah il faut ça venir demain matin ou bien dans deux mois il va prendre bah ça vous comprenez il a fait affaire tête prête et puis il va gagner pour parler avec monde qui voyoa à savoir par les États-Unis parler avec conseil là réuni dit la soirée fait encore et pour connaître si même il a venir comme il a venir mais si une urgence j'ai juste non et ça blanc Kenya dit. Journal la poursuivre pour dire toutefois si on t'a accepté pour te rentrer dans la logique soit prendre ton force ou bien venir dans le pays d'Haïti pour venir aider mettre l'ordre à la paix et ben Kenya eux-mêmes yo dit déploiement yo a dépend de plusieurs facteurs avait dit pour venir en Haïti c'est pas vraiment simple formalité j'en mon pense là même les manifester volontaire la dépend de plusieurs facteurs yo dit dans facteur ça yo gagner résolution conseil de sécurité l'ONU hein, parmi yo les États-Unis qui eux même t'es engagé yo que yo pral chercher tout moyen possible pour yo bay Kenya tout ça le besoin souvle pour venir établir présence dans pays d'Haïti. Et yo parle tout d'un seuil minimum de 2000 agents qui prêt à déployer dans cadre force ça et Kenya t'a annoncé n'a songé l'état doué lui-même voyer pour qu'on parle 1000 policiers et bien reste là c'est l'autre pays qui t'a pas contribuer avec donc 2000 policiers mais qu'on y a qu'en est-il de mandat force ça qu'en est-il de mission force ça. Pour Miami Herald, c'est des bagailles qui suscitaient en pile inquiétude ni parmi moun qui t'ai participé dans discussion yo ni parmi moun qui pat la yo mais qui gon regard avisé sur histoire ça qui passé dans pays là notamment avec les gangs armés et les différentes opérations de maintien de la paix de l'ONU par le passé. Ça c'est journal là qui a parlé de jeu. Je n'ai pas la poursuivre pour dire guerrier Dieu seul. Li parle avec un ancien casque bleu Nations Unies qui te travaille dans le pays d'Haïti avec mission ONU et qui passe 13 l'année, n'a pas cité journal là, à combattre gang et puis assurer stabilité. Eh bien, qui ça, ancien casque bleu, ça, lui-même, li dit journal là. Li dit journal là comme ça. Résumé en intervention en Haïti. Avec sécuriser bâtiment public à l'aéroport, pour lui-même, ce n'est pas pour bagay qui est efficace. Il dit comment ou imaginer une force comme ça pour le résultat? Force que Kenya parle, soit force de protection, ou bien force stratégique, de protection stratégique ou statique, j'ai le là, qui c'est à sécuriser bâtiment public, camper bon airport là, camper bon port là, ou bien camper bon, probablement pas ministère ou tout. Oui, t'as dit qu'à camper là et puis kidnapping a fait, ça va occuper. C'est ça. Pourquoi ça? Bon, ok, ça va pas parler de guerrier. Ça veut dire, c'est bâtiment public qui a mouru, c'est 100 qui a coulé ou bien c'est 100 citoyens qui a coulé chaque jour là? On y a kidnappé, c'est dans l'aéroport là après. Et dans l'aéroport là après, mais c'est dans douane là après. Le problème ici. Ancien casque bleu a dit comment imaginer on force comme ça pour être efficace. En tout cas, monsieur dit nous penser c'est agir pour agir contre gang yo. Il faut nous agir de manière concrète. Monsieur son expérience sécurité, monsieur qui t'a demandé pour rester anonyme pour être capable de vérité. Monsieur déclaré que toute force multinationale pardon qui appartient dans le pays d'Haïti li doit gain pour mandat c'est ça guerrier sou dia là pour porter secours à population parce que c'est pas bâtiment public qui c'est cible bandi yo oui. Et c'est ça qui pour ni Kenya ni communauté internationale à comprendre cible bandi yo c'est pas ni primature c'est pas ni palais national c'est pas ni aéroport c'est pas ni port yo. Si bandi aux populations ouais, jusqu'à présent. Donc si on force vin là selon expert ça qui parlait avec Miami Herald, premier réflexe c'est porter population en secours parce que ces populations en cap mouri, ces populations en cap victime kidnapping, ces populations il y a fait courir qui était la caille, a marché deux bras balancés toute la semaine journée, a dormi sous place publique à la belle étoile, a mangé mal.
Donc n'importe force qui vient là, ça pas dans priorité ou bien ça pas dans agenda ou ça pas dans plan, c'est la vie merci à tête. C'est ça expert a voulu dire. Journal là implicitement. Monsieur dit comme ça, on force qui vient là guerrier de seul, sou pas capoter population en secours. Côté gain 200 000 là-dedans yo. Bandi forcé qui était la caillou. Pendant deux dernière année ça yo li appuyer le sous chiffre ONU communiqué yo monsieur allé plus loin pour dire que bandi yo a attaqué toute gros installation yo y a attaqué la police je dis ça je dis bandi a touyer police bandi a attaqué aussi de grandes installations dans pays ya y a touyer moun paisible citoyen et puis y a forcé moun quitter la caillou et puis qu'on y a là pour venir là comme force ou pas gain plan pour mettre un frein dans tout ça l'expert qui a parlé c'est pas moi qui a parlé non là m'a pour prendre article Miami Herald comme ça en anglais l'écrit ça me dit là mon yo pas forcément li article là qui en anglais donc moi me réunir à équipe moi n'a pas essayer comprendre ça qui dit dans article là hein Reginald Robertson expert a dit un pour gain gang cap touyer cap racher cap kidnapper cap marcher dans la rue grand jour dans zam nan men cap tirer sur moun cap forcer moun quitter la caillou et puis pour dire c'est force cap vinn aider bataille contre gang ou pas gen ça dans plan pour freiner zak sa yo ça y expert qui a posé question et pas moi dans journal là expert a qualifié de ça de qualifier sa proposition si vous voulez Kenya de incroyable mais incroyable c'est pas dans le vrai sens du mot non. Comme si pour dire c'est extraordinaire, c'est incroyable, j'en sais ça non. Pour dire c'est comme si monsieur voulait dire pas quoi ça. Il pas quoi que Kenya t'a décidé dit la prête en mission pour venir dans pays d'Haïti, pour venir aider mettre la paix et puis pour gagner ça dans plan. Expert dit pas quoi ça. Journal a déclaré que Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies lui-même te fait connaître Haïti besoin un recours robuste à la force par la police étrangère et des unités militaires pour capable désarmer gang yo pour capable contrôler souveler pays a qui journée jodi a la en bas contrôle ou bien on bon parti dans pays a en bas contrôle gang axam notamment dans capitale là et jodi a cap propager sur tout pays a moi que saute passé à là journal la cap parler conseil sécurité ONU te mandé secrétaire général là pour faire un rapport sur différentes options qui capable kembe pour combattre groupe armé dans pays d'Haïti. Eh bien avant publication rapport ça selon journal Miami Herald gen bureau des Nations Unies dans pays d'Haïti qui te rencontré premier ministre Ariel Henry qui te présenté quatre scénarios possibles sous façon force multinationale là li même li ta capable aider PNH là et sous quantité moun ki ta doué en dans force ça gen de option ou te aller souvle de bay on soutien logistique et opérationnel à la police là en passant par on aide qui capable aider yo désarmer gang yo par le biais d'un ensemble opération combiné avec la police nationale d'Haïti et gouvernement lui-même selon Miami Herald, le gouvernement haïtien lui demandé pour gagner en combinaison entre deux options ça yo. Première option c'était fournir un soutien logistique et opérationnel à la police nationale d'Haïti et puis deuxième là c'était faire des opérations bon côté la police là et puis aider marinèg désarmèg en façon pour la paix capable d'établir dans pays même leur communiqué primature là ou audio que yo dit délégation dans concours ba la police là ou bien dans super ba la police là faut gagner des formations pour comprendre pour unité patati patata pas bien même Miami elle parle paroles là dans moment consultation avec ONU gouvernement haïtien t'est rappelé et t'est insisté sur ça groupe armé y a fait des actions malhonnêtes dans le pays, y a des actes de violence extrêmes souvelés, y a violé droit moun et la police n'a pas une capacité pour rétablir sécurité dans le pays. Ça c'est le gouvernement qui fait aveu des puissances ça
Et un peu plus tard, il y a plusieurs ministres dans le gouvernement, parmi eux, Ariel Henry, qui ont exprimé inquiétude par rapport, ou bien qui t'a exprimé inquiétude par rapport au fait que force multinationale a parlé à la, l'État simplement gagné intention pour venir dans le pays, pour venir sécuriser les infrastructures. On sait des infrastructures en pile qui ne peuvent pas même fonctionner, parce que pour là de bon, à part des airports là, je vous dis, vous comprenez, qui est plus ou moins et opérationnel la trier, mais sous garder une série de ports en devenir, est-ce que c'est même activité? On prend par exemple douane en bas là, à n'importe moment quand on déblouse, à n'importe la saline du frappe là et la trier. On prend pour la fuite ou l'autre bord là. Je dis à la où est-ce que vous parlez en mer au gagné, vous pas décider de passer, gens ça qu'on y a avant avec des conteneurs marchandises là. Donc dans l'article là, vous rappelez infrastructure ça yo. Que Kenya souhaité vin sécuriser en pile nan yo jusqu'à présent il pas fonctionné j'ai été qu'on fonctionner tout au moins il n'a pas fonctionné du tout. Pourtant responsable yon administration Biden nan à Kenya yo insisté sur approche ça. Journal l'a dit ni américain yo ni Kenya yo même ça qui intéresse yo c'est vin sécuriser infrastructure ça on a parlé là. Ça veut dire que ce n'est pas une bataille contre gang, ce n'est pas une démanteler gang. Et nous voulons la République noter, les affaires nous autres, sans vouloir mettre en doute souvelé. Ça qui dit dans l'article, mais si ça, c'est la vérité. C'est la preuve que le problème nous vient là, c'est nous pour résoudre. Sinon, papa, nous fait carré, attendre force. Et puis, nous attendons force, papa. La population qui est dans une bérie. Bandi gagne ta fin touye nous tout. Nous font passer dans Chavan nan, y a tout moun sous deux pieds militaires. Oui. Pour qu'ils soient connus. Bon panique au niveau de Kafoufeuille. Parce que les gars qui ont tiré à gros rafale. Et puis la population même panique qui a quitté la caillou. Et puis j'en ai descendu dans la moun Chavan obligé pas dormir tout non. Mettre deux mains dans la tête tout. Avec dire, ouais, nous avons quitté comme ça pendant longtemps. Nous dit Kafoufeuille qui est plus près de nous là dans la radio. Mais nous devons dire tout pour mon Rosenberg, pour mon Lilavoie. Nous devons dire tout pour mon Tabar. Nous devons dire tout pour mon Balatibodit. Nous devons dire tout pour mon paquet de l'autre zone de pays. Donc, n'attendons pas force. Voilà que l'agenda PAO, ce n'est pas l'agenda, monsieur Damio, dans la communauté internationale. Là. Si l'on doit se référer au contenu de cet article de Miami Herald. Ni administration Biden, qui donc les Américains, ni Kenya yo que Amérique yo mette devant yo insisté sur approche pour ces bâtiments yo pour ces infrastructures yo vinn sécuriser probablement les deux mandats t'ai fait là t'ai gonbaï comme ça t'ai dit laisse ça monsieur barbecue de G9 t'ai prend contrôle en bas terminal là bon sûrement yo pense même réalité à c'est terminal là vinn sécuriser en bas pour gaz là qu'a sorti vous comprenez bon sûrement mais ça yo pas comprendre ou bien yo fait exprès yo pas comprendre. C'est que même infrastructure ça au du pral sécuriser pour aller là-dedans et moi pourrais gon parti dans article là dit ça pour aller là-dedans gon série de axes routiers que gang yo contrôler. Non mais est-ce que pas gagne des bails que pas dit moi c'est gagne des bails pas dit parce que point ça soulever là et les gain sens là ouais gagne des bails pas dit ouais gagne des bails c'est dit pas dit ouais. Il va essayer de pas dire. Ça veut dire mon cher solution problème là par l'autre frère boire aller libre.